Et bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis content de vous retrouver pour 1 heure ensemble sur le best-of du Red Hat Summit. Le Red Hat Summit, c'était la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, on va en parler. Et pour ça, j'ai plusieurs invités qui sont avec moi. Donc, je vais d'abord demander à Laurent de me rejoindre. Salut Laurent. Hello Sébastien, bonjour tout le monde. On a aussi Cyril. Salut Cyril. Ah, par contre, Cyril, t'es muté, il faut que tu te unmute, mais Allez, voilà. salut tout le monde. Salut, Salut salut. Seb, salut Laurent. Salut. Et Jafar. Salut Jafar, ça va bien? Salut, bonjour. Oui, très bien. Bonjour à tous et bienvenue sur ce stream. Ben ouais. Et alors, je vais même pas regarder combien de personnes il y a. Il y a les gens. Alors, encore une fois, hein, c'est un stream interactif. On a le chat qui est là, donc n'hésitez pas à dire bonjour. Je vois qu'il y a Ah, Patval il y a des qui. enfants. Bonjour, il y a Ludovic, il y a Des Jason, enfants salut. connus. Ouais, donc n'hésitez pas à dire d'où vous êtes, voilà. Et ah voilà, ça y est, ça arrive. Ah, il y a Julien, cool. Il y a 1v4713, bonjour. Es-tu un humain? Bon, super cool. Tout fonctionne bien, parfait. Je reviens sur ici. Donc, l'idée de ce stream, c'est on est 1 heure ensemble. On va prendre un peu les annonces qu'il y a eu la semaine dernière et en discuter entre nous. N'hésitez pas à poser vos questions, mettre votre feedback sur le chat, on va récupérer vos questions. C'est tout. Avant qu'on commence rapidement, si vous pouvez vous présenter rapidement, mais vraiment en 10 secondes, vas-y Cyril. Vas-y, commence Cyril. Ouais, excuse-moi, j'ai un petit instant d'inattention, Seb. Juste, je te demandais de te présenter brièvement, Ah 10 ouais, secondes. c'est le QG. Moi, je travaille, je suis Product Manager chez Orange en charge de solutions et de plateformes DevOps. Ok, super. Jafar? Alors, bonjour à tous, donc Jafar Chrabi, je travaille en tant que Technical Marketing Manager chez Red Hat, spécialisé sur OpenShift. Et auparavant, j'étais architecte OpenShift et j'ai eu la chance de travailler notamment avec Cyril sur ses projets de containerisation. Ok, super. Écoutez, on va commencer direct. Avant ça, j'aimerais bien qu'on discute au travers de ces grandes annonces. Enfin, oui, c'est des grandes annonces. Au travers de ces annonces qu'il y a eu, quelles sont les grosses tendances qu'on pourrait en tirer? Est-ce qu'il y a un thème général qui se dégage? Laurent, je crois que tu avais une idée là-dessus que tu aurais bien voulu partager avec Oui, nous. bien sûr, je peux partager ça avec vous, pas de souci. Donc effectivement, ça a été 2 jours la semaine dernière, riche en annonces, et on peut dire que globalement, en fait, on a gravité autour de 3 grands sujets. En fait, le premier, c'est voilà, la grande tendance, c'est vraiment la thématique open, hybride et multi-cloud. D'accord. Comme l'a dit notre CEO Paul Cormier, maintenant chaque DSI devient un cloud opérateur. D'accord, parce que effectivement le besoin d'avoir des clusters, d'opérer ça sur plusieurs data centers on-premise, bénéficier aussi du cloud public pour du débordement pour certains types de workload, c'est vraiment une réalité forte. Et effectivement, chacun se doit de considérer ça dans sa stratégie. Donc effectivement, nos offres, elles s'adaptent, voilà, pour justement faciliter cette transition. La deuxième tendance, la deuxième thématique, c'est que effectivement les DSI et tous les gens effectivement de l'ADSI au sens large ont en phase 2 des choix technologiques à faire, mais pas seulement. Il y a aussi en fait une façon de consommer l'IT qui devient différente. Et effectivement, on se pose de plus en plus la question de est-ce que cette technologie, je l'opère moi-même? Ou est-ce que c'est pas mon cœur de métier, je veux me différencier, je veux accélérer sur d'autres choses? Et donc, je prends plutôt une option service manager et je confie à d'autres, effectivement, le fait de gérer pour moi. Et donc, ça, c'est aussi une deuxième grosse tendance. Et on va voir que, effectivement, on a certaines annonces qui sont directement en ligne avec ça. Ok, Et ouais. puis la troisième grande tendance, c'était tout ce qui était relatif en fait au edge computing. Voilà, parler des nouveaux types de workloads qui sont drivés par la data, au fait d'avoir besoin aussi de justement gérer cette data, prendre des décisions sur cette data de façon décentralisée,
pas forcément tout rapatrier en centrale pour prendre des décisions, mais être aussi là au plus proche, avoir la capacité de déployer des applications au plus proche de cette data et de l'endroit où on doit prendre les décisions. Donc vraiment, là aussi, une grande thématique, toute cette partie Edge et l'impact que ça a, et à la fois sur les infrastructures et sur les architectures applicatives. Et on va notamment parler de tout ça, de tout ce qui est streaming de données tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Quelqu'un qui veut ajouter quelque chose à ce beau résumé que nous a fait Laurent Alors, on en reparlera un petit peu aussi, mais il y a des annonces qui sont arrivées aussi à l'occasion du KubeCon et non pas du Summit, donc notamment hier. Je développerai un peu plus ce sujet-là, notamment au sujet de l'annonce d'OpenShift Pipelines et de GitOps. On en reparlera un peu plus tard. Et ouais, parce qu'on est en semaine KubeCon, c'est très chargé. La dernière Red Hat Summit, cette semaine, c'est KubeCon. Et la semaine prochaine, c'est la conférence d'IBM, je ne me rappelle plus son nom, Blue quelque chose, sûrement. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que demain, on aura un stream sur l'équivalent de ce qu'on fait, mais pour des annonces KubeCon. Donc, ça s'appelle OpenShift Coffee Break. On vous enverra le lien à la fin. Oui, on enverra le lien, tout ça. OK, super. Alors, pour résumer un peu juste les annonces, je vais partager juste 2 secondes mon écran. J'ai un slide qui résume un peu les annonces. Et après, du coup, on pourra rentrer petit à petit dans chacune des annonces. Je dois partager mon écran. Tac, tac, tac. Donc là, on va être en mode inception. Mode inception, j'adore toujours ce mode. Et je vais rapidement juste mettre ce slide en gros. Donc, ça devrait apparaître maintenant, voilà. Donc, parfait. Là, on retrouve bien les 3 thématiques que Laurent a annoncées. Donc, toute cette partie hybrid cloud et aussi le edge. Et nous, honnêtement, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la partie à droite ici, sur les services managés. On va traiter d'autres thèmes aussi, mais parce que ça touche un peu plus les développeurs aussi. Ok, donc d'ailleurs dans le chat, dites si vous êtes dev, si vous êtes DevOps, si vous êtes manager, racontez-nous un peu qui vous êtes, c'est toujours bien à savoir. Du coup voilà, on va pas vous embêter avec des slides parce que c'est vraiment pas le style de cette table ronde. C'était juste pour vous montrer en une image un peu de quoi on va parler. Alors, je sors de là, j'arrête, je reviens ici. Là, vous voyez derrière les studios comment ça se passe. Hop, j'enlève, je reviens ici. Les studios, c'est à vous. OK, donc on va commencer avec des annonces. Et je regarde mon petit, parce que j'ai quand même un petit agenda qui est là. Et la première annonce dont on va parler, c'est toi, enfin Laurent et Jaffar, bah, tout le monde en fait, mais c'est pour parler d'OpenShift. Plateforme plus. Ouais, exactement. Dis-nous tout, ou Laurent, dis-nous tout. Allez, ben, je commence, parce que c'est un petit peu en continuité, effectivement, sur la stratégie, sur la thématique Open Hybrid Multicloud. Donc, vraiment, une nouvelle annonce, c'est effectivement OpenShift Plateforme plus. Donc, il y a effectivement la distribution Kubernetes OpenShift, l'OpenShift Container Platform que vous connaissez sûrement. Et effectivement, on se rend compte que la réalité dans les organisations, c'est justement de déployer de plus en plus de clusters parce que il y a cette réalité du multi-cloud. Voilà, on peut citer cette petite stat. Voilà, il y a 80% des gens qui utilisent déjà du cloud public en fait disent qu'ils utilisent plus de 2 providers de cloud public, donc 2 ou 3 providers de cloud public, donc c'est vraiment une réalité. Et donc, il y a ce besoin de déployer des clusters sur différents providers, de déployer des clusters pour aussi différentes équipes, parce qu'en fait, il y a des équipes qui ont énormément gagné en maturité, qui sont maintenant complètement autonomes sur tout ce qui est management du cluster. La difficulté, c'est pas forcément de déployer la première fois ces clusters. La difficulté, c'est de maintenir tout ça en conditions opérationnelles, d'être sûr que toutes nos configurations, elles sont alignées, qu'il n'y ait pas des divergences qui se créent au fil du temps, qu'on puisse facilement remédier à ces divergences. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a introduit il y a quelques temps une offre qui est Advanced Cluster Management pour OpenShift, qui va vous permettre justement de manager différents clusters et puis de gérer ces configurations, cet audit de configuration et ce déploiement aussi d'applications en mode multi-cluster.
Donc ça, c'était déjà une chose qu'on avait auparavant. Et en fait, on a complété la picture ces derniers mois avec une nouvelle offre qui s'appelle Advanced Cluster Security, qui est issue en fait du rachat de StackRox, voilà, qui offre en fait là des fonctionnalités avancées en fait de gestion de la sécurité, de la conformité, de la gestion et de l'inspection aussi du trafic réseau, de tout ce qui se passe dans vos clusters. Voilà. Et puis on avait aussi précédemment dans le giron Red Hat en fait cette offre de container registry qui s'appelle Kue, dont le service SaaS Kue.io que vous connaissez peut-être, vous utilisez peut-être pour vos images de containers publics ou voilà sur vos petits side projects. Et donc maintenant tout ça, Kue, Advanced Cluster Security et Advanced Cluster Management, en fait c'est regroupé dans un seul bundle qui s'appelle OpenShift Platform Plus, et qui va vous permettre bah, justement d'aborder hyper sereinement cette transition vers le multi-cluster et puis tous les challenges associés. Donc vraiment, voilà, je t'y parlais, la configuration, de la sécurité, ce genre de challenge. Okay. Avant qu'on entende Jafar là-dessus, Thierry, tu as une réaction à chaud sur cette annonce d'OpenShift Plus? Ouais, ben nous on avait suivi avec intérêt l'arrivée de Red Hat Advanced Cluster Management. On commençait à être confronté justement à des problématiques de déploiement et de gestion de plusieurs clusters. Voilà, on a pu tester dans le groupe Orange cette solution. Voilà, pour l'instant on n'a pas, j'ai complètement arrêté de solution et de choix, mais c'est vrai qu'on est confronté à cette problématique. On est aussi confronté aux problématiques. Tout ce qui tourne autour de la sécurité, on a étudié certains produits, Aqua Security et d'autres. Et du coup, là aussi, on a suivi avec intérêt le rachat de StackRox et maintenant l'émergence de ce nouveau produit. Je pense que ça fait vraiment du sens dans les grandes entreprises. Bon, ben ça fait plaisir d'entendre ça de la part d'un client. Jafar, tu veux compléter Alors, juste un commentaire très rapide. C'est vrai que auparavant, on s'appuyait sur des partenaires pour tout ce qui concernait la partie sécurité, donc notamment la visualisation du trafic réseau, ce genre de choses. Là, suite à l'intégration d'ACS dans le portefeuille Red Hat, Donc, l'intérêt, c'est qu'on pourra avoir des interactions beaucoup plus fortes entre justement la core plateforme et ce produit-là. Donc, c'est pour moi une excellente nouvelle et je suis aussi très content de la rapidité avec laquelle on a pu intégrer ça dans le portefeuille Red Hat, sachant qu'auparavant, c'était une solution tierce, pas complètement open source. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Exactement. Alors, le multi-cluster, effectivement, les premiers challenges qui viennent toujours à l'esprit, c'est celui de gestion de configuration, de sécurité, de maintien en condition opérationnelle. Mais faut pas oublier aussi que derrière cette problématique multi-cluster, il y a une énorme opportunité, en fait, de aussi changer l'architecture de nos applications pour qu'elles deviennent justement nativement multi-cloud, multi-cluster, pour apporter le maximum de résilience. Alors, ça, c'est effectivement des grosses problématiques d'architecture, mais ça entraîne aussi des gros challenges d'un point de vue justement au delivery et comment on va adapter nos pipelines et notre méthodologie voilà CI/CD, GitOps, pour réaliser la livraison de ces applications dans ce contexte multi-cluster. Et là, je pense que Jafar, tu as quelques annonces aussi à partager autour de cette thématique-là, non ? Excellent. Tout à fait, merci Laurent. Donc, effectivement, hier, on a fait l'annonce de ce qu'on appelle la General Availability de deux solutions pour OpenShift, qui sont donc OpenShift Pipelines et OpenShift GitOps. Donc, pour ceux qui connaissent le projet Upstream Tecton, donc Red Hat est contributeur au projet Tecton et le productif, le alors productivé, je ne sais pas si c'est une francisation un petit peu accidentelle, mais donc on le fournit sous forme de solution supportée, donc à travers un opérateur qui est donc disponible dans l'opérateur Hub. Il était disponible depuis quelque temps sous forme de technologie preview, mais désormais, on est passé en GA.
Donc, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser de manière supportée en production. Ce que ça apporte, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur Kubernetes donc OpenShift comme étant votre plateforme de CI/CD sans pour autant avoir besoin d'installer des solutions complémentaires comme on le faisait auparavant, soit avec des solutions comme Jenkins, GitLab, qui installent non seulement la solution, mais aussi des agents qui vont tourner, etc. Donc ce projet ou cette solution-là étant OpenShift avec des concepts liés au continuous delivery, donc des notions de pipeline, des notions de tâches qui vont toutes ou tous s'exécuter sous forme de conteneurs. Et donc, on bénéficie à 100% des fonctionnalités apportées par Kubernetes en termes de scalabilité, en termes de facilité à délivrer de nouvelles versions. Typiquement, par exemple, si on parle d'une solution comme Jenkins, un des problèmes, c'est la notion de compatibilité de plugin. Certains projets vont avoir besoin d'une version plus récente, d'autres vont être contraints parce qu'il y a une incompatibilité entre plugins. Et donc, on se retrouve dans soit une situation où tout le monde va s'aligner sur les versions les plus communes, donc minimales, ou on va commencer à instancer des versions pour chacun des projets. Et donc là, l'intérêt, c'est que comme tout va être conteneurisé, bah, si vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités, vous avez besoin d'une nouvelle version, d'une CLI ou ce genre de choses, il suffit de créer des nouvelles images de conteneurs, de packager ça, de l'encapsuler sous forme de tâches, et donc on va pouvoir les mettre à disposition pour les pipelines, etc. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant d'avoir cette notion de pipeline Kubernetes native. Donc ça, c'est pour la partie OpenShift Pipelines. La deuxième partie, c'est OpenShift GitOps. Et donc là encore, on s'appuie sur un projet communautaire qui est Argo CD. Donc Argo est un des produits phares pour ou projet phare pour pouvoir faire du GitOps. Alors, petit rappel, qu'est-ce que le GitOps? C'est le fait de pouvoir définir toutes vos ressources as code dans un référentiel, un ou plusieurs référentiels Git. L'idée étant que on ne va pas aller déployer des choses à la mano ou à travers des pipelines sur nos environnements cibles, parce que plus on va scaler, plus ça va être compliqué de gérer justement cette notion de synchronisation entre un état désiré et la réalité du terrain. Et donc, l'approche GitOps consiste à dire, je déclare tout sous forme de fichiers de configuration, de fichiers YAML ou ce genre de choses dans mon référentiel Git, et je vais demander à ma solution de scruter l'état de ce référentiel et de s'assurer que tout est déployé comme je le souhaite dans mes environnements cibles. Donc, ça peut nous permettre justement de faire du multi-cluster de manière un peu plus simple. Et ça peut prévenir aussi ce qu'on appelle du drift, c'est-à-dire quelqu'un a modifié accidentellement quelque chose sur un cluster. Bah, la solution va scruter l'état actuel, l'état réel. Elle va scruter l'état désiré et elle va faire ce qu'on appelle de la rémédiation automatique pour s'assurer que ce soit dans l'état désiré. Et donc là encore, Red Hat, dans la pure tradition Red Hat, est acteur majeur et contribue au projet Argo CD. Donc, on fait partie du board. On backporte même certaines fonctionnalités qu'on avait dans certains produits dans l'upstream. Et donc, c'est bénéfique à la fois pour nos clients qui vont l'utiliser dans OpenShift GitOps, mais aussi pour la communauté Argo au sens large. OK. Et donc, voilà. Ouais. Cyril, peut-être un petit mot là-dessus, parce que je sais que vous vous intéressez à la partie GitOps, aussi pipelines. Je sais que vous avez déjà beaucoup investi dans peut-être d'autres solutions, mais que c'est quand même quelque chose que vous gardez à l'œil, parce que, du fait que ce soit vraiment intégré, que ça repose sur des briques cloud native, enfin des briques cube, on va dire. Peut-être un petit avis à nous parler. Ouais, tout à fait. Nous, comme je pense, comme beaucoup de personnes, on est historiquement de grands utilisateurs de Jenkins, intégration continue. Et puis, ces dernières années, je pense, sous l'impulsion pas mal des développeurs, on a évolué de Jenkins vers une solution GitLab, avec un module d'intégration continue et de déploiement continu qui s'appelle GitLab CI.
Donc, on a pas mal investi sur cette technologie pour construire des, on va dire des templates réutilisables pour permettre à nos projets, aux applications, d'instancier des chaînes de CI/CD de manière simple et rapide pour les aider à démarrer dans cette évolution vers le déploiement continu. Mais ensuite, à mesure que on a vu l'émergence d'applications avec des architectures microservices sur déployées sur des environnements Kubernetes, voilà, on a constaté qu'il y avait quand même une grande complexité à gérer l'ensemble de ces pipelines pour tous ces microservices et à garder une synchronisation entre nos repositories Git et nos environnements de dev, de staging, de production. Donc oui, on est très intéressé par cette release. Okay. Et je pense que ces solutions-là vont grandement nous aider à nous améliorer, à résoudre un certain nombre de problèmes qu'on rencontre. Okay. Alors, justement, merci Cyril pour le partage. Et effectivement, un point dont j'ai oublié de parler, c'est un petit peu la manière dont ces deux approches s'enchevêtrent. Et donc, effectivement, prenons votre exemple. Vous avez déjà une solution existante pour faire de l'intégration continue. La difficulté ou la rupture, elle se passe au moment où, à la fin de notre pipeline, on a déployé une application sur plusieurs clusters, sauf qu'on n'a plus cette boucle de retour pour, comme tu as dit, faire une réconciliation si jamais il y a des modifications. Et donc, la pratique ou la bonne pratique qu'on commence à voir émerger, c'est de se dire, on fait notre pipeline d'intégration continue et à la fin de ce pipeline, on va faire appel à l'approche ou à une solution GitOps qui va, elle, se charger de faire le déploiement sur les environnements cibles, de manière à ce que on ait justement cette notion de continuous, enfin de rafraîchissement continu et de synchronisation entre ce qui existe réellement et ce qu'on souhaitait déployer. Donc dans on est d'accord, cas, c'est effectivement sur cette partie-là qu'on commence à avoir beaucoup de complexité, des difficultés à gérer tout ça, sachant que sur les parties amont, sur la partie plus CI, là on a globalement une bonne maturité avec les outils GitLab CI qu'on utilise. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Jaffar. Et du coup, pour appuyer sur le chat, on avait une remarque aussi de Julien qui disait le problème, c'est la multiplicité des outils disponibles et les choix d'entreprise. Donc, je vois qu'elle a déjà été répondue par Laurent dans le chat, super. Mais on va... j'avais préparé la bannière et tout, mais je veux quand même la mettre peut-être pour ceux qui n'auraient pas le chat ouvert, parce que c'est possible, on va voir. Et une petite remarque supplémentaire, Seb, sur cette question justement de la multiplicité des outils. Oui. Ça fait toujours peur un petit peu de justement regarder un nouvel outil, démarrer un nouvel outil, parce qu'on a ses habitudes forcément. Et ouais. Moi, ce que j'aime bien avec Tecton et avec OpenShift Pipelines, c'est que justement, en fait, il existe déjà dans la communauté un hub qui va vous permettre d'accéder en fait à tout un ensemble de tâches préexistantes. Ouais. Pour juste qui concentre déjà les best practices en fait sur l'utilisation de Tecton. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que ce hub, enfin en tout cas les tâches que vous aurez sélectionnées dans ce hub, vous allez pouvoir en fait les rapatrier dans votre OpenShift pour qu'elles viennent en fait enrichir votre catalogue interne de tâches réutilisables. Et ça, quelque part, ça rejoint la remarque de Cyril qui disait c'est hyper important à chaque fois qu'on fait du pipeline d'essayer de cadrer quand même tout ça, d'avoir un certain nombre de templates. Et en fait, avec justement Tecton, avec OpenShift Pipeline, on va pouvoir facilement faire ça en s'appuyant sur le hub. Alors, je vais mettre justement dans le chat le petit lien vers le hub. Et... Alors, petit point complémentaire, mais non sans importance. On a parlé de standard. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que cette notion ce projet Tecton, il est né dans ce qu'on appelle la Continuous Delivery Foundation, donc la CDF, qui est une organisation dont l'objectif premier est justement de standardiser la notion les différents concepts dont on a besoin pour faire du Continuous Delivery et de standardiser aussi les différents outils autour d'un socle commun. Donc, quand on regarde les membres de la CDF, on a Jenkins, on a Jenkins X, on a Red Hat,
On a WeWork, il me semble aussi. Et donc, l'idée, c'est que les éditeurs vont progressivement s'aligner sur ces notions de standards. Donc, Kubernetes permet d'étendre ces API et ces ressources à travers des mécanismes qu'on appelle les Custom Resource Definition. Et donc, on va avoir une notion de pipeline, une notion de tâche qui deviennent des standards. Hier, lors du GitOpsCon, donc il y a eu une annonce par la présidente de la CDF qui disait qu'ils étaient en train de travailler justement sur la standardisation des événements qui sont gérés par ces outils de continuous delivery. Donc, de manière à ce que là, la première étape, c'est standardiser autour des concepts, autour de la manière dont on va pouvoir les instancier. La deuxième étape, c'est de standardiser autour des événements. Donc, par exemple, une pull request, il faut que ça devienne quelque chose qu'on puisse décrire de manière standardisée, de manière à pouvoir réagir de manière uniforme et qu'on n'ait plus chacun sa propre manière d'implémenter avec un certain nombre de headers qui sont disponibles à un endroit et pas d'autres, etc. Ouais. Et donc, voilà, on avance justement vers cette standardisation. On aura bien évidemment de nombreux produits, mais qui tourneront sur un socle commun. Et ce socle commun, c'est Kubernetes plus ses extensions telles que Tecton ou d'autres initiatives qui pourraient arriver par la suite. C'est. J'ai oublié ce que j'allais réagir sur ce que tu avais dit. Oui, sur les events, la standardisation, ça me fait, c'est sera basé sur les cloud events. Donc, Elle a pas donné plus de détails, mais c'est plus vraiment. C'est plus la standardisation de la structure, par exemple. Qu'est-ce que ça va être comme payload? Vraiment standardisé, par exemple, entre Git et GitLab, il va y avoir une pull request ou une pull, même au niveau de la normalisation des noms, il y a des noms différents. On va plus essayer de travailler sur quelque chose de commun. Et ensuite, chaque éditeur implémentera ses standards selon ce qu'il veut. Comme, par exemple, les plugins de gestion de réseau, ils sont conformes à une notion de CNI, donc Container Networking Interface. Et chaque fournisseur de solutions de réseau va implémenter ce standard-là dans sa propre solution. OK. On va un petit peu avancer. Je crois que j'ai mis les questions là, mais je crois que vous avez déjà répondu. Il y avait aussi une deuxième question sur un retour d'expérience Jenkins. Je crois que tu as copié le lien déjà, Il existe un guide de migration. Donc, la question, c'était, est-ce que vous avez des choses qui peuvent assister des clients Jenkins à faire une transition en douceur vers OpenShift Pipelines et Tecton? Donc, Red Hat a effectivement écrit un guide d'adoption pour de passage de Jenkins à Tecton. J'essaie de retrouver le lien pendant qu'on parle des autres annonces. Je le partagerai sur le chat. D'accord. Parce qu'on va un petit peu avancer dans les annonces. Parce qu'on est. Alors, il est 28, ça va. J'ai aucune idée du timing, mais je pense que ça va aller. De toute façon, on est là. Non, c'est bien qu'on ait la discussion. Et merci au chat qui est très actif. On est nombreux. On est quasiment 70. Et ça discute dans le chat. J'adore ça. C'est vraiment ça la raison. Comme je dis souvent, ce que j'adore dans ce nouveau monde remote un peu, c'est dommage qu'on ne se retrouve pas en vrai, ça viendra un moment, mais c'est le chat. Le chat, ça rajoute tellement une nouvelle dimension, que ce soit des talks ou des tables rondes, parce que les gens peuvent discuter entre eux. Vous imaginez bien que ça, dans les vrais comptes, les gens ne vont pas commencer à discuter entre eux, sinon ça va rendre fou le speaker. Mais là, du coup, c'est possible et j'adore. Ça rajoute vraiment une nouvelle dimension. Donc, s'il faut en tirer un point positif, il y a deux points positifs. D'une, n'importe qui peut rejoindre maintenant ce type de table ronde. Hein, pas n'importe qui pouvait aller à des conférences. Et deux, il y a l'interaction du chat. C'était juste une petite aparté. Mais on va enchaîner sur la deuxième annonce des services managés qui ont été annoncés la semaine dernière. Okay, donc, il y en a plusieurs. Il y en a trois. Le premier, c'est moi qui vais vous en parler. En fait, je vais vous montrer ce que c'est. Et puis les autres, ce sera Laurent et Jafar. Mais moi, je vais vous parler de Kafka Manager. Donc, Kafka,
C'est chaud bouillant, tout le monde veut faire du Kafka, tout le monde veut faire de l'event-driven architecture. Déployer son cluster Kafka, ce n'est pas la chose la plus facile. Okay. Encore, si on est sur des cubes, on a des super opérateurs, celui de la communauté Streamzy, il y a aussi un produit Red Hat pour ça, facilite la chose, mais la marche est quand même assez haute et surtout, on doit continuer à manager son cluster Kafka. Donc, ce que Red Hat a annoncé la semaine dernière, c'est Kafka Managed Stream, ou je dis même pas le bon nom, mais vous allez le voir. Votre cluster Kafka managé. Vous cliquez sur un bouton, ça crée votre cluster Kafka, vous créez vos topics, c'est géré pour vous, ok. Et vous savez quoi, je vais vous le montrer, je vais juste mettre ma petite bannière. Elle est où ma bannière? Hop, j'avais une petite bannière prête. Alors, là je vous ai mis cloud.com, the place to be. Pourquoi the place to be? Parce que, et là on monte, hop, parce que si vous allez sur ce site, ok, ce site cloud.redhat.com, c'est ce site-là va devenir de plus en plus important pour Red Hat. Ici, on va concentrer tous nos services managés, mais aussi toute la gestion de vos clusters. OK? Et vous pouvez y accéder. Vous pouvez vous connecter tout simplement avec votre compte Red Hat Developers. Donc, je vous rappelle, ou bien si vous êtes client avec votre compte client, mais si vous êtes de la communauté, vous allez sur developers.redhat.com, vous pouvez créer un compte et vous pouvez y accéder ici. OK? Et là, donc là, je ne suis pas sur un cluster, hein, je suis vraiment sur la page d'accueil de cloud.redhat.com et j'ai Streams for Apache Kafka. Et là, j'ai mes instances Kafka. Je n'en ai pas pour l'instant. Et ce que je vais pouvoir faire, et encore une fois, je n'ai aucun cluster OpenShift qui tourne, hein, c'est de dire, ben, je veux créer une instance Kafka. Donc, je vais cliquer là et je vais dire, ben, je vais l'appeler Best of Summit. Mon instance. Et là, j'ai choisi mon provider. Bon, pour l'instant, c'est Amazon. Ma zone. Pour l'instant, il n'y a qu'une zone. On est encore en bêta. Hein. Et je crée mon instance. OK ? Et c'est tout ce que je fais. Et en fait, il va me créer mon cluster auquel j'aurai accès. Creation pending. Donc, hier, j'ai testé. Ça prend entre 2 et 3 minutes parce que quand même, il doit provisionner le cluster, etc. Et pendant qu'il provisionne, voilà, il est en train de créer mon cluster, pardon. J'ai mes ressources ici. Donc, pour savoir comment démarrer un petit peu, on peut dire, écoute, guide-moi, OK? Et on a une aide qui va s'ouvrir ici, OK? Et cette aide-là, elle va rester ici. Donc, si je suis le tutoriel, OK? Là, il me dit, faites cette étape, commence le tour, et je peux tout suivre. OK. Et facilement, je vais pouvoir créer mon cluster, mon topic. OK. Et si je retourne dans mes ressources, j'ai même des exemples. Comment connecter mon application Quarkus, par exemple, avec mon topic Kafka que je viens de créer. C'est tout expliqué. On a de l'intégration côté OpenShift, la vue développeur. OK. On peut connecter notre cluster à notre application et ça apparaîtra de façon vraiment visuelle dans notre cluster OpenShift. Côté tooling aussi, si on a Visual Studio Code, on a des super extensions qui vont vous faciliter la vie pour manager, gérer vos topics, connecter vos applications. OK? Donc, c'est en bêta. Inscrivez-vous. Normalement, il y a un nombre de clusters limités. Donc, je vous conseille d'essayer de vous inscrire, voir s'il y a encore des clusters de dispo. Mais bon, c'est une offre qui va s'agrandir. Et pendant que j'ai parlé, j'espère que j'ai assez parlé. Et est-ce que mon cluster s'est créé? Non, il ne s'est pas créé. Ouh, leave quick start. Ouais, je peux quitter le quick start. Bon, on peut revenir tout à l'heure. Je verrai quand je ferai ma deuxième démo. On verra si le cluster a été créé. Mais donc, ça, c'est du manager. Vous n'avez plus à vous soucier de où tourne votre cluster. Ça pourrait être réparti sur plusieurs régions différentes, sur plusieurs cloud providers différents. C'est une grosse annonce qu'en fait. Et c'est une première pour nous aussi, soyons honnêtes, pour Red Hat, de se lancer dans les services managés de ce type. Donc, on compte sur vous pour vous amuser avec, nous faire des retours, nous faire des applications de ouf. Donc, voilà. C'est tout pour la petite démo. Je voulais juste vous montrer cette interface-là. Vous trouverez plein d'infos, bien sûr. D'ailleurs, si vous avez un compte... ça y est. Regardez, mon instance est prête. Juste, je vous montre ça. Mon instance est prête. Et ce que je peux faire, je peux... créer mon topic. OK, je crée mon topic. Voilà. Maintenant, j'ai un topic. Le nombre de partitions, là, je veux 3 partitions.
OK. La rétention, est-ce que je veux une rétention d'une semaine, c'est le défaut, hein, je crois, dans Kafka. Et la taille, je garde tous les defaults. Hop, finish. Et hop, j'ai mon topic qui a été créé. Il est prêt à consommer des messages, à produire des messages sur ce topic. Donc voilà, vous voyez comme c'est facile de s'amuser avec Kafka. Vous n'avez plus d'excuses. Je reviens à mon StreamYard. Je coupe mon partage. Et on va enchaîner sur... Et je me suis mis... La deuxième partie des services managés, c'est... Laurent, ça restera tout. Ton tour, c'est sur le Manage API, l'API managé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, exactement. Alors, on va être sur le même principe et en tout cas le même point d'entrée, c'est-à-dire cloud.redhat.com, comme on l'a vu rapidement tout à l'heure quand tu as montré ton écran. Mais ouais, effectivement, tu peux voir. Tu veux que je le mette en fond ou pas? Non, ça ne t'inquiète pas, c'est juste le menu, on ne va pas faire de démo, mais ouais. Effectivement, le principe est à peu près le même, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de déployer en mode service managé tout ce qui va vous permettre de mettre en place une gestion de vos API. Donc ça veut dire effectivement le back-end d'API management, où vous allez pouvoir déclarer vos API, et puis configurer tout ce qui est portail de développeurs aussi, voilà, où vous voudrez justement enrôler des nouveaux développeurs et puis diffuser la documentation sur les API que vous rendez disponibles. Et puis vous allez aussi pouvoir provisionner très facilement tout ce qui est des gateways d'API management. Donc, hyper simple, quelques clics. Ça répond vraiment aussi à ce besoin qu'on rencontre chez nos clients de dire il y a un existant de service à apaiser ou de nouvelles API qui est on-premise, qui est dans le data center existant un peu legacy, mais il y a aussi le besoin de déployer des nouvelles API sur le cloud pour les ouvrir à des partenaires, pour réaliser aussi de l'intégration avec des progiciels en mode SaaS, avec des Salesforce, avec tout ce type de progiciels. Et donc, effectivement, ce besoin, du coup, de dire ma gateway d'API management et puis le back-end de gestion de ces gateways, il faut aussi que j'aille le mettre en fait sur le cloud. Ça a plus de sens, en tout cas, d'aller le mettre sur le cloud au plus près des API que j'ai à protéger plutôt que de le garder chez moi. Et donc, via cette offre-là, vous allez avoir la possibilité de dire j'ai mes clusters qui sont sur AWS, sur GCP. Aujourd'hui, on a commencé par ces deux-là. Bientôt, il y aura aussi la possibilité de faire sur Azure. Et vous pouvez provisionner en tant qu'add-on toute cette partie API Management qui se configure automatiquement, qui vous configure aussi tout ce qui est... IDP, Identity Provider, ce qui est souvent en fait le nerf de la guerre quand on fait de l'API management, c'est effectivement se dire j'ai des API pour l'interne, j'ai des API pour l'externe, ces différents Identity Provider, comment je configure ça, c'est souvent un petit peu compliqué. Donc là, toute cette partie-là est aussi grandement automatisée, et puis le lien est fait entre l'IDP utilisé pour les gateways, celui utilisé pour le portail de développeurs, celui utilisé pour le back-end d'administration, qu'on va réserver plutôt justement aux développeurs internes. Tout est packagé et rendu hyper simple d'utilisation au travers de cette offre-là. Super, merci. Ouais. Et il y a eu quelques questions, mais je vois que Jafar et tout le monde, vous faites un bon boulot, vous répondez aux questions, donc c'est cool, j'ai pas besoin de... juste avant qu'on passe au troisième service managé, avant, tout sur Kafka managé, API managé, Cyril, des réactions à chaud? C'est des choses qu'on regarde aussi. Alors sur le Kafka managé, nous, on est peut-être un peu moins consommateurs de services public cloud managé, même si on l'utilise. Pour l'instant, nous, ce qu'on travaille, c'est sur la partie l'utilisation d'opérateurs Kafka. Pour l'instant, on est sur StreamZ. StreamZ, oui. Le StreamZ Kafka opérateur qui marche pas trop mal. Et on avance avec les projets dans la fourniture d'une brique, pour l'instant, qui n'est pas as a service, mais sous forme d'opérateur, qui va déjà les aider, leur faciliter la création et l'usage de ces clusters. Et puis après, on va voir comment on va avancer là-dessus. Et sur la partie API Gateway, alors là aussi, je voyais que c'était
plutôt pour du service managé, mais là aussi, on a un gros historique sur la partie API Gateway. On a eu des solutions de type APG, mais voilà, on a pas mal de plateformes d'API Gateway et on est dans une phase de restructuration de cette partie-là. Donc, on regarde des solutions comme Kong et la manière dont on peut intégrer aussi ces solutions avec Kubernetes et avec les applications qui veulent exposer leurs API. Donc, ouais, tout ça, c'est effectivement des sujets assez chauds. Ok, super. Merci Cyril. Alors effectivement, juste parce que la question a été posée sur le chat aussi, donc il y a vraiment effectivement ces deux approches, c'est-à-dire soit se dire je veux des services complètement managés et je suis dans une approche d'ouverture sur les clouds publics, etc. Et à ce moment-là, je peux tout laisser gérer par des éditeurs tiers. Mais l'autre approche, c'est de se dire je veux quelque chose qui soit à mi-chemin entre ça et quelque chose que je gère à 100% de mon côté. Et donc, les opérateurs apportent justement cette flexibilité dans le sens où ils vont avoir cette intelligence sur la manière dont on pourra installer, upgrader, gérer au quotidien ces solutions et donner ce côté as a service, puisqu'il suffit de créer des objets, des instances de ce qu'on appelle des CRD, Custom Resource Definition, dans OpenShift ou dans Kubernetes, et l'opérateur va se charger de toute la mécanique pour pouvoir instancier, par exemple, des topics Kafka ou même un cluster Kafka, etc. Donc, merci Cyril d'avoir parlé de ça aussi, parce que du coup, ça te permettait de répondre aux commentaires dans le chat. Et tu peux enchaîner, parce que ça va être à toi encore. Ok, et ben, je t'en prie. Alors, effectivement, il y a eu deux annonces importantes aussi dans la continuité. Donc, un service managé qui s'appelle OpenShift Data Science. Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'activité de Red Hat, donc on avait un projet d'incubation qui s'appelle OpenDataHub.io qui existe depuis plus de 2 ans, il me semble. On avait des expérimentations à grande échelle, notamment avec l'université du Massachusetts, etc., où on avait des milliers de chercheurs qui travaillaient justement sur utiliser cette plateforme-là pour pouvoir améliorer leur workflow de machine learning et d'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de maturité et de satisfaction de ce qu'on peut proposer comme étant une solution supportée par Red Hat, donc sous forme de service managé. Et donc, c'est finalement, encore une fois, j'utilise ce terme, la productisation de ce projet upstream qui était Open Data Hub. Donc, concrètement, en quoi ça consiste? C'est utiliser OpenShift comme étant une plateforme d'AI et de machine learning. Donc, il y a différents aspects. Alors, ça va tourner dans un premier temps chez les cloud providers. Et donc, l'idée, par exemple, c'est vous avez besoin de faire du computing très intensif en termes de ressources. Et donc, on va pouvoir utiliser des GPU, par exemple. On va pouvoir utiliser des machines sur des GPU chez le cloud provider. Vous avez des data scientists qui vont vouloir créer des algorithmes, utiliser des choses comme Jupyter Notebooks, avec des frameworks tels que TensorFlow, PyTorch, etc. Et donc, traditionnellement, il fallait que le data scientist se débrouille pour pouvoir assembler toutes ces briques. Là, avec OpenShift Data Science, c'est un service managé. Vous avez une interface dans laquelle vous allez avoir une marketplace ou un catalogue de services. Et vous allez dire, tiens, je voudrais instancier des Jupyter Notebooks. Et donc là, typiquement, on va apporter des choses de type Enterprise. Par exemple, la notion de multi-tenancy. On va offrir un Jupyter Hub, mais qui va vous permettre de gérer l'aspect multi-tenant avec les aspects role-based access d'OpenShift. Etc. Et donc, c'est finalement vraiment offrir toute une palette de solutions dédiées au machine learning et à la data science. Et donc, juste pour vous donner une idée, il y a un landscape qui ressemble à celui de la SNCF. Alors, je vais plutôt le coller dans le chat YouTube. Aussi, comme tu veux.
Donc, Open Data Hub .io slash Landscape. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on a à la fois des solutions qui sont complètement open source, que vous allez pouvoir utiliser, déployer sur la plateforme, mais aussi des partenaires tiers qui fournissent leurs solutions, qui feront partie de cette solution OpenShift Data Science. Donc, certains services seront managés par Red Hat et d'autres seront managés par nos partenaires. Donc, voilà pour la partie OpenShift Data Science. Donc, on a déjà pas mal de clients qui l'utilisent, qui l'ont utilisé, même à l'état d'incubateur. Et donc, l'idée, ben là, c'est de faciliter encore plus l'adoption en le fournissant sous forme de service manager. Est-ce que j'enchaîne directement sur l'autre point? Sur Edge, voilà, ouais. Edge. Sauf s'il y a quelqu'un qui veut réagir sur Data Science. Ou, vous faites de l'AI, du Data Science, j'imagine, chez Orange, mais enfin... Oui, oui, on en fait. On a des solutions autour de... Enfin, historiquement, toutes les technologies autour de Hadoop, Hortonworks, mais voilà, on a vu qu'il y avait pas mal de changements dans l'industrie avec Cloudera, mais qui est aussi... Enfin, Hadoop, je crois, a commencé à être délaissé au profit d'autres solutions comme Spark. Donc récemment, on investit dans des solutions comme Jupyter Notebook et aussi des choses autour de Kubeflow. C'est ça. Voilà, mais c'est pour des choses on-premise. Il y a de la sensibilité quand on travaille sur la data, problématique de sécurité qui font que ça rend plus compliqué l'utilisation de cloud public sur ce type de, de cas d'usage. J'imagine. Okay. Alors, c'est une très bonne transition, Cyril, pour un autre point qu'on voulait mentionner. C'est justement, quand on va faire de la data science, c'est voilà, on a des données confidentielles, on a des puits de données qui sont extrêmement volumineux et on ne veut pas s'amuser à transférer des pétas de données vers le cloud provider puisque on va payer peut-être à chaque méga ou giga qui transite. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir fournir des clusters au plus près, soit de la donnée, soit des applications. Et donc, dans ce but, Red Hat a énormément investi dans ce qu'on appelle l'edge. Donc, le fait de pouvoir déployer des clusters OpenShift, voilà, living on the edge, pour différents cas d'usage, par exemple, pour la data science, pour typiquement des choses comme des usines connectées, où on va vouloir avoir des plateformes conteneurisées, mais sans pour autant avoir tout un data center disponible. Avec des contraintes de ressources, de gestion en mode déconnecté, etc. Et donc, il y a eu pas mal d'annonces ou d'avancées technologiques dont OpenShift a bénéficié pour pouvoir y arriver. Il y a des choses comme, de manière toute bête, le fait de pouvoir minimiser les ressources. Donc, on a la notion de compact cluster qui sont un minimum de 3 nœuds qui vont servir à la fois de master et de node, et donc ça permet de déployer de manière plus simple des clusters. On travaille aussi sur quelque chose qui s'appelle le single node cluster. On devrait, je sais plus si ça a été annoncé, mais en tout cas c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc le single node cluster, c'est vraiment pour aller sur des cas d'usage encore plus extrêmes, où il vous suffit d'avoir une seule machine et vous aurez votre cluster disponible. Sachant qu'il y a aussi une autre avancée technologique, c'est la notion de remote worker. Donc, on a travaillé sur des contraintes de latence, sur des contraintes justement de communication. Par exemple, on sait tous que etcd n'aime pas avoir de la latence entre les différentes instances, etc. Et donc, on a travaillé sur ces choses-là pour pouvoir être plus fault tolerant quand on a des latences un peu plus élevées que l'échelle des millisecondes. Et donc là, on a la possibilité d'avoir des topologies où on a un cluster OpenShift central, donc avec des masters, des workers, puis sur l'edge, des workers remote. Donc, on n'aura que les nodes qui nous permettront de faire tourner nos workloads au plus proche de notre data center local ou de notre entité edge, etc.
Donc voilà, tout ça, ce sont des annonces qui participent au fait de pouvoir avoir des topologies plus adaptées à ces contraintes. Et on va notamment probablement avoir une annonce avec autour de telcos, donc le monde par exemple de la 5G avec l'adoption du Radio Access Network, donc le RAN, donc, avec OpenShift, donc on a travaillé avec certains clients pour pouvoir avoir des réseaux 5G déployés sur l'Edge avec OpenShift, donc notamment avec la virtualisation des fonctions réseau, ce qu'on appelle les NFV. Donc voilà, ça fait partie aussi des cas d'usage majeurs qu'on va retrouver pour de l'OpenShift at the Edge. Ok. Voilà pour ma part, j'ai fini. Alors j'ai posté ou j'ai essayé de poster voilà, donc un lien sur la partie OpenShift Data Science. Oui, ça, j'ai les ouais, tu le copies dans le chat privé, moi j'ai pu le copier dans le chat public. Ok, super. Voilà. On essaye de m'appeler. Il y a toute ma famille qui m'appelle, mais ça va. Hop, j'ai ça. 51, ouais, ça avance vite. Ouais, Living on the Edge, j'imagine ouais, que c'est un aspect qui vous intéresse aussi, Cyril, chez Orange, toute la partie Edge. Non ? Oui, oui, la partie Edge, la partie compact cluster, on est pas mal challengé, même sur nos infrastructures, sur des problématiques d'optimisation des coûts. On travaille sur ce qu'on appelle le FinOps pour optimiser le coût de tous ces clusters qu'on instancie de développement, de QA, de production. Donc voilà, ces annonces sur la partie compact cluster, le single node cluster. Ça, c'est des choses intéressantes. Et effectivement, sur la partie Edge aussi, alors on a plusieurs types de topologies que nous, quand on parle de Edge, soit effectivement des réinstantiations de clusters complets dans différentes infrastructures, différentes filiales du groupe, mais aussi l'émergence de besoins de pouvoir déployer simplement des worker nodes sur des zones un petit peu remote, tout en conservant le cœur du cluster sur un data center ou des data centers centraux. C'est aussi des use cases qu'on voit de plus en plus dans notre contexte. Et du coup, il y a Fabrice dans le chat qui nous demande, est-ce qu'il y a un rapport entre single node cluster et OpenShift Code Ready Containers, j'imagine, qui mentionne CRC. Alors, j'ai déjà essayé de répondre, mais c'est pas tout à fait. Donc, c'est la même idée. Donc, l'idée, c'est d'avoir des services OpenShift qui tournent sur une seule machine. Sauf que dans le cas de CodeReady, donc, c'est à la fois destiné, dans un premier temps, destiné aux développeurs. Donc, c'est quelque chose qui va tourner dans une machine virtuelle qu'on va bootstrapper sur le laptop du développeur, par exemple. C'est pas vraiment destiné à un usage de production pour faire tourner des workloads oui. Ou ce genre de choses. L'OpenShift Single Node Cluster, c'est plutôt vraiment destiné à avoir un serveur bon, qui doit être certes dimensionné selon les besoins de ce qu'on voudra faire tourner dessus, mais c'est vraiment pour faire tourner des workloads, c'est considéré comme un OpenShift complet, mais avec une architecture qui a été optimisée pour minimiser la consommation des ressources et ce genre de choses. Et qu'on va déployer pour de vrai et, et pas c'est que ça. Sur sa... Et donc, il va participer à cette notion d'edge pour ne pas nécessiter d'avoir plusieurs machines. Quand l'idée, c'est par exemple que vous avez un restaurant qui veut faire tourner des applications containerisées, il peut installer ça sur un single node cluster, par exemple. Et imaginons qu'on parle d'une chaîne de restaurants avec des centaines de d'entités à travers les pays ou même le monde, on peut avoir des économies d'échelle assez importantes du fait de minimiser les ressources nécessaires. Il reste 6 minutes avant de conclure, parce que là c'est bon, on est passé sur le gros des annonces, on a bien discuté. Je voulais vous montrer une dernière annonce qui n'a pas été forcément annoncée à la keynote, mais une petite feature qui va plaire, je pense, aux développeurs.
OK, développeur Java notamment, et ça va me donner l'occasion de faire des petites démos. Vous savez que j'adore faire des démos. Et on n'a plus trop de temps, mais c'est pas grave. Deux minutes me suffisent normalement pour vous la montrer. OK, d'abord, je vous montre ma super, je mets la super bannière. OK, et je vous partage mon écran. Alors, OpenShift, il est là, mon OpenShift. Là, j'ai mon OpenShift et je suis dans la vue développeur. Donc, si les gens connaissent un peu OpenShift, vous connaissez cette vue. C'est fait pour les gens comme moi qui veulent juste déployer leur workload. On peut, par exemple, pointer directement vers un repo Git. Ça, vous connaissez, c'est quelque chose qu'on avait. Hop, il reconnaît que c'est du Java. Là, je peux le déployer comme un service Knative. Je peux rajouter des pipelines. Vous avez vu, avant, il y avait petit preview. On n'a plus ça. OK. Et là, on a même une visualisation dans notre preview et tout ça. Bon, ça, c'est super cool. Mais il y a quelque chose de nouveau. Regardez un peu ici. Il y a quelque chose qui s'appelle Upload Jar File. OK. Upload Jar File, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est exactement ce que vous imaginez. Imaginez, j'ai fait ma petite appli en Spring Boot ou en Quarkus. Plutôt en Quarkus. J'en ai fait un Uber jar. Je l'ai là. Regardez, ça, c'est un jar qui est sur ma machine ici. Best of Summit. Je le prends et je le drop. J'en fais un service Knative si je veux. On va rester en service en déploiement normal. J'appuie sur Create. Et là, c'est comme quand on upload une vidéo sur YouTube. Voilà. On va voir si les mogods sont de mon côté, mais normalement, ça devrait aller. Normalement, là, il va me dire, voilà, jar file is uploading. Donc là, il upload mon fichier jar. OK, on va regarder sur la topologie. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, tout simplement, si on regarde les logs, ça va mettre un peu de temps parce que là, il est en train d'uploader. Et comme j'ai une connexion pas terrible de upload, ben, ça prend du temps. Mais ça y est, il a reçu mon jar. OK, là, ce qu'il va pouvoir faire, c'est ben, me créer une image de conteneur de mon jar. Une fois qu'il a l'image de conteneur, il va la pousser dans la registrie interne d'OpenShift. De mon cluster, il va créer un déploiement, le déployer comme un pod, et je vais pouvoir tester mon application. Donc, là encore, c'est la notion de self-service, de faciliter la tâche pour le développeur. S'il a un cluster d'intégration, un serveur de test, de dev, OK, et il va, et qu'il n'a pas forcément des connaissances de ce que c'est un conteneur ou même un fichier YAML, lui il a son jar et il voudrait vite fait le tester. Ben, regardez, ça se passe là. Si je vais dans ma topologie, je ne sais pas pourquoi j'ai pas l'accent. Et alors, Seb, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que si tu fais un drag and drop depuis ton jar, donc qui est sur le desktop, directement sur la topologie view, ça marche aussi, je ne sais pas si ça a été implémenté. C'est ça que j'ai vu dans la... Je l'ai vu dans la... Oui, sûrement, on peut essayer. Mais je sais pas, parce que... Voilà, je ne sais pas. Prends ton jar et fais un drag and drop sur la topologie et vois s'il réagit. Je ne sais pas s'il va aimer que je copie le même jar. Non, mais ne le place pas. Juste regarde si l'interface Si l'interface réagit ou pas. Il est où mon finder? Ah, il est là. Tac, fait. Ah! Ah oui, oui, ouais, voilà, oui, c'est ça que j'ai vu pendant la keynote, j'arrivais pas à retrouver, mais c'est encore plus simple que ça. Je le drop directement sur la topologie, ça semble. Ouais, bah, merci. Alors, la prochaine étape, on va essayer sur les motion gestures, donc directement avec la caméra. Alors, fais voir mon... Hop, là, j'ai déployé mon jar, qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Est-ce qu'il est prêt? Container creating. Running, ça y est, il est là. Ça y est. Il est là. Tac, je fais slash best of. Best of, hop. Ah yes, et on y est. Ta-ta-ta-ta. C'est une petite appli que j'ai faite, la meilleure appli du monde que j'ai faite ce matin. Je le copie ici, là, hop, floup, vous pouvez y accéder. Mais ça, c'est le jar que j'ai drag and droppé, que j'aurais pu faire directement la topologie du coup. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Il reste une minute. Je vais revenir sur le StreamYard, couper mon partage d'écran. Voilà. Donc, c'est passé super vite, mais je pense que c'est bon signe quand ça passe vite. Moi, je n'ai rien à dire pour conclure, juste que c'était très bien. Ah si, venez jeudi à mon show. C'est en anglais, ça s'appelle le Dev Nation Show, c'est à 18h. Si vous avez raté la démo de Burger Hunter la semaine dernière, qui fait toujours des démos de ouf, des jeux de ouf,
Je vais essayer de la déployer à nouveau et jeudi on pourra tous jouer ensemble. Donc c'est une bataille navale avec de l'intelligence artificielle et tout, c'est génial. Donc je vous mettrai le lien, suivez-moi sur Twitter où ça va être retweeté par pas mal de monde. Demain matin, le Red Hat OpenShift Café, c'est ça ? J'ai bien dit le c'est nom. C'est ça, le Coffee Break, tout à fait. Coffee Break, sur YouTube, sur Twitch, vous êtes de partout. C'est ça. Voilà. Alors, je posterai le lien. Je ne sais plus du coup comment faire parce que je n'ai pas de, de post prêt pour ça. Attends, mais, j'enlève la place. C'est, voilà, c'est demain. Nos usernames avec nos comptes Twitter. Donc, suivez-nous c'est ça. Et on postera toutes les infos sur Twitter. Voilà. Laurent, dernier mot ? Pas forcément dernier mot, mais c'était très bien, c'est passé vite et c'est super. Beaucoup d'interactions sur le chat, ouais, c'est cool. Ouais, c'est ce qu'on espérait tous. Et Cyril, un dernier mot pour conclure ? Ouais, bah écoute, c'était super sympa, comme d'hab, plein d'annonces intéressantes. Et donc voilà, maintenant à nous de travailler. Ok, super. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment C'était super chouette. Merci Cyril. Ouais. Et merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Ça sera dispo en replay, bien sûr, sur la chaîne Red Hat Developers. D'ailleurs, merci à Red Hat Developers de nous avoir prêté leur chaîne pour diffuser ce live. Et écoutez, on se retrouve bientôt. Si vous êtes inscrit au Deep Dive Quark Quiz, vous me retrouvez dans 59 minutes. Je fais un Deep Dive Quark Quiz. Sinon, pour le reste, demain matin, le OpenShift Café et jeudi, le Dev Nation Show. Je vous souhaite tous une excellente journée. Bon appétit et à bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée, à bientôt.